travail sur soi-même. Faut avoir des idées. C'est pas si facile d'avoir des idées, surtout comme ça en une semaine. Travail de mémoire aussi, parce que comme vous l'avez vu, les notes sont pas appréciées, ce que je comprends totalement. Énormément de travail sur la confiance en soi. Et cohésion aussi. Parce que je trouve qu'un concours, c'est pas forcément dans la malveillance. Oui, ça fait un peu bateau, mais il y a eu une fraternité. Ça s'est fait vraiment en toute amitié, finalement. Donc, travailler sur sa confiance en soi et se dire mais pourquoi vos idées, elles mériteraient pas d'être entendues, finalement. N'hésitez plus, vous le faites. Vous réussissez ou non. Dans tous les cas, c'est pas un échec. Je suis très content, parce que j'avais vraiment envie de faire cette finale, et surtout contre Oriane. Donc il n'y a que du plaisir, et puis c'est vraiment enrichissant. Comme je l'ai dit, ça a apporté un peu de pression à un moment où vraiment il n'y a plus de scène, il n'y a plus rien. Moi j'aime bien ça, avoir un peu de pression, et puis ça m'a apporté aussi vraiment de la rigueur, parce que écrire un nouveau texte toutes les semaines, c'est vraiment lourd et pas facile. Et puis de la fierté aussi, de l'avoir fait, d'être allé jusqu'au bout, pour un truc où je pensais... Pareil, pas passer les qualifications, ça met de la fierté. Ça rend heureux, ça donne des espèces de décharges d'adrénaline qui sont incroyables. Et puis, c'est un peu bateau, mais je veux dire, ça nous fait tellement grandir que d'arriver, on est devant des gens et puis on est tout nu, quoi. Tout le monde nous regarde et c'est ça, en fait, qui effraie les gens. Et en fait, c'est hyper agréable et il faut passer le pas pour pouvoir vraiment goûter à ça.